Dominic Kelly évoque les courses de vitesse, les sprints, avec une potentielle grille inversée, ben, faites-le. Allez là. En 2021, il y avait 3 sprints, en 2024, 6, et l'année prochaine également. Avec trop de courses, la F1 pourrait perdre une partie de son attrait unique. Dominic Kelly souhaite toutefois augmenter le nombre de sprints tout au long de l'année, car il estime qu'ils offrent davantage de divertissement. Pour 2025, en tout cas, ils n'ont pas augmenté, c'est resté à 6. Je pense que nous sommes pas en mesure de dire que nous allons être comme la MotoGP avec un calendrier complet de sprint. Mais il y a une marge de progression, peut-être pour un tiers de calendrier. Ça pourrait être une possibilité. Donc un tiers, ça ferait 8 en gros, quoi. Ce qui n'est pas énorme, hein, au final. Par rapport à la grille inversée, nous pouvons vraiment une fois de plus discuter s'il y a nécessité d'inverser la grille ou la moitié de la grille, comme en F2, F3. Ce sont donc toujours des choses qui permettent de garder l'esprit en éveil. Et si je puis dire, avec l'intention de garder quelque chose de toujours intéressant personnellement, je dirais pourquoi pas. C'est beaucoup d'actions et des dépassements. Vous vous battez pour des points. Dominic Kelly sait cependant que beaucoup critiqueraient un système de grille inversée en F1 en raison de sa nouveauté. Certaines personnes peuvent dire c'est une fausse façon de faire la course. Fausse, il n'y a rien de faux là-dedans. Alors par contre, juste, il faut virer les qualifs du sprint du coup et t'inverses la grille par exemple de la course de dimanche. Comme ça, les pilotes ne seraient pas tentés de faire de la merde en qualif pour se retrouver devant, quoi. Car la course de dimanche est très importante. Donc ils saboteront pas leur propre qualif si on inversait la course, la grille. Bon, ça veut de voir après. Moi, je suis pour une grille totalement inversée. Ça serait drôle. Comme ça, on verrait les meilleurs remonter le plus vite possible. Là, ça serait vraiment un sprint pour remonter un premier, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez?